Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler des animations à Lectoux. Bienvenue, nous sommes sur l'esplanade du Bastion où se déroule ce dimanche un joli vide-grenier comme tous les dimanches, nous attendons nombreux. Nous allons aussi vous raconter un petit peu ce qui va se passer donc, pour le week-end du 14 juillet. Pour le 13 juillet, nous vous attendons nombreux au stade Ernest Villa à Lectoux où se dérouleront donc les festivités pour le week-end. On commence donc avec 18h30 la remise des premiers melons de la saison à nos chers élus. Ensuite, nous continuerons avec les repas des associations organisés à 19h, les repas donc, des associations lectouroises qui vous attendent nombreux et qui vous feront un très bel accueil. Suivi à 21h du premier spectacle donc pyrotechnique, suivi à 23h d'un show laser exceptionnel sur la ville de Lectoux. Voilà, nous avons aussi le bal populaire qui sera la continuité de cette jolie soirée. Alors nous nous retrouvons ensuite pour le 14 juillet, 11h30 au Monument aux Morts pour la cérémonie. Nous serons accompagnés du groupe de la chorale d'enfants La Cigale et la municipalité offre à tous les citoyens lectourois un apéritif républicain dont nous vous attendons nombreux et vraiment très bon week-end du 14 juillet.